Salut Rap Academy, c'est Frankie Town de Rap Québec à CGMD, le 96.9, l'alternative radio, la radio de Lévis. Café. Et cigario. Je commence à vous juger. Drette là! J'en profite aussi pour dire merci à l'équipe de Skies et lui-même et à tous les participants pour la confiance. Je vais faire de mon mieux, je serai sincère et sévère. Hey, puis je vais avoir une grosse nouvelle pour vous aussi. Vous allez peut-être être triste à la fin. Donc restez jusqu'à la fin du vidéo! J'ai déjà tout écouté les chansons une première fois. Je me suis pris des petites notes à côté, mais là je recommence avec la grille d'évaluation. Je vais enregistrer un commentaire pour chacun des participants à la suite de l'écoute de la chanson. Et après avoir complété la grille d'évaluation, soigneusement préparée par Skies. Pour le round 4, le thème « Les murs sont blancs, le plancher est noir ». Puis, la contrainte, c'est le beat imposé et les mots bonus, les fameux mots bonus. Sujet, verbe, complément, c'est une chose. Mais faire des multisyllabiques, messieurs, c'est le fun. Ça sonne bien. C'est cool. Mais si tu dis rien, ça sert à rien. On y revient. Lazy Boy, premier participant que je juge. C'est quoi le titre de sa chanson? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Plan B. For real, non seulement j'ai bien aimé à la première écoute, mais je réécoute déjà l'instru dans l'ambiance puis la façon d'utiliser les pistes, simpliste mais efficace, ça rend service à la chanson. La technique est bonne. C'est très intelligent comme construction de texte et approche du thème, vraiment. Et ce que j'aime encore plus, c'est que il y a les vraies valeurs du hip-hop à l'intérieur de cette chanson-là. Le but, c'est toujours d'atteindre sa cible. Puis, c'est très bien fait. C'est conscient. Le flow est on point. Et le clin d'œil au début du vidéoclip aux autres participants, c'est très bon. Objectif atteint avec tous les mots imposés. Les boys, c'est approuvé par Frankie Town. Yo! Avant de juger le prochain participant, je voudrais juste vous mettre au fait que quand tu veux faire un bon jugement, faut que tu prennes le temps de le faire. Je comprends pourquoi il y a des gens qui s'impliquent et tout à coup step back parce que ça demande un effort. Je vous aime pareil. OK, prochain participant, Oliver Twist avec sa chanson « Étincelle ». J'attendais ça personnellement. Par contre, je ne la réécouterai pas vraiment. Je trouve que le morceau est simple. C'est comme s'il y avait clairement un manque d'effort. Le titre « Étincelle », le lien avec le thème, il est où? Parce que c'est ça qu'on a l'impression dans ton texte. Il n'y a pas de sujet précis, ou du moins, il n'y a pas de fil conducteur tellement évident, outre quelques références, puis le fait que le point central, ça soit toi qui ai écrit le texte. Donc, ça manque de profondeur. Le flow est chill. On aime ton style déjà. C'est sûr que tu avais peut-être un peu de pression pour ce round-là. Malheureusement, à mon avis, celle-là, tu l'as échappé, mon gars. Meilleure chance la prochaine fois. Notre prochain participant. On parle de RPM avec 123 rue des Amalgames. Je l'attendais, vous le savez, je l'aime beaucoup. Le choix de la façon dont vous avez exploité le beat, c'est correct, c'est bon, je trouve. La structure du texte, le choix des mots, man, l'objectif est atteint parce que à travers le storytelling, déjà là,
t'augmentes la barre d'un niveau, tu racontes quelque chose d'intéressant. Donc oui, le thème a été bien exploité, la contrainte a été bien faite, le flow est bon. Pour moi, c'est rien d'extraordinaire par rapport à ce que RPM peut livrer, par rapport à ce que j'ai déjà entendu, mais l'objectif est atteint pour celle-là et j'ai trouvé que le clip était quand même très nice. Alright, le prochain, c'est XIM avec son morceau Blanc et Noir. J'ai aimé, sans être nécessairement impressionné. Dans l'instru, je trouve que les rythmiques puis les transitions sont quand même cool. Puis, je trouve que dans le flow de XIM, c'est une des chansons où, avec le beat, tu sais, il y a comme des punchs dans les flows puis les manières d'utiliser le beat. C'est bien fait. T'as du style, bro. Pour ce qui est du thème, je trouve qu'il est bien exploité, mais c'est très large dans les sujets. Puis voilà, man, ça fait le tour. C'est quand même bien. Par contre, c'est pas nécessairement une chanson que je réécouterais sans arrêt non plus. Tu sais, on s'entend. Mais mission accomplie pour celle-là aussi. Maki, je m'en viens avec toi. Je vais juste prendre le temps de fumer un peu. OK, we're back avec Maki, So Right, Insomnie. Sans dire long sur les semaines qui ont passé. J'ai accroché direct en passant avec le timbre de voix, l'enregistrement, c'est nice. L'ambiance est forte avec le beat aussi. C'est sûr qu'avec les mots imposés, la contrainte, là, c'est vraiment ça le défi hein, de ce round-là. C'est de rester dans un contexte précis, mais avec des mots imposés. C'est comment on va les flipper pour les rentrer dans le sujet. Dans le cas présent, c'est passable. On dirait que, par contre, avec l'ambiance, le flow, les multis, ça rend le tout agréable à l'écoute. C'est le genre de chanson que je réécouterais facilement. Bel job pour celle-là, Maki. So right, so right. Autour de Mario McFly maintenant avec Angels. C'est good. Ce que j'ai dit en ondes, je le pense. Le kid s'est trouvé vraiment. L'instru, les ambiances, les façons dont vous l'avez exploité, c'est pas parfait, mais c'est original et vous faites parmi ceux qui l'ont le mieux fait, le mieux utilisé. Les rimes sont bonnes, McFly. Le respect du thème est là, all good. Moi, je pense que vraiment, le kid, il s'est trouvé. Un léger manque d'effort, par exemple, pour aller chercher des points bonus, bro, t'aurais peut-être pu faire un effort supplémentaire là-dessus. Mais somme toute, good job. Maintenant, Nada avec Imposé. OK, je démarre la chanson, le son est good, c'est chill, tout va bien, le beat est quand même bien exploité. Mais tout de suite, man, tu racontes. Puis je fais pas le lien tant que ça avec le thème. Au final, je comprends pas, mais le flow est là. Donc, tu sais, moi, tu me perds automatiquement. Je sais que tu es capable, Nada. Pour vrai, seulement, je m'en vois pas avec. Je comprends pas, en fait, où tu t'en vas avec ce morceau-là. Tu as utilisé beaucoup de mots imposés, mais qui, au final, te rendent pas service pantoute. So, le clip, by the way, les images sont bonnes, sont très bonnes. Fait que c'est ça, man, je sais que tous les éléments pour un gros morceau sont là, je sais que t'es capable, mais là, je sais pas pourquoi, je ressens un manque d'effort ou de contexte, assurément. Fait que c'est ça. Puis là, soyons clairs, là, quand je parle d'un manque d'effort, je le sais pas, le temps que vous avez mis là-dessus durant votre semaine. Moi, c'est ce que, au global, je feel. Évidemment, vous comprenez qu'il n'y a rien de perso là-dedans, messieurs. Puis, by the way, somme toute, dans l'ensemble, vous avez livré un produit. C'est déjà bon, il y en a qui finissent même pas par le faire. Et je conclue ça avec le dernier, mais non le moindre, mon boy Visage Paul, que j'apprécie, man. Et là, premièrement, j'étais évidemment curieux de l'entendre. C'est une excellente chanson que je réécouterais fort probablement.
L'originalité de l'instrumental, c'est nice, là, tu sais, genre, vous l'avez bien exploité, surtout avec le refrain. Puis c'est là où est-ce que j'ai le goût de dire que c'est l'expérience de Visage Pâle qui respire dans cette chanson-là. Le thème est bien exploité, on est on target. Les mots qui ont été choisis rendent service au texte, à la structure, au sujet, aux thématiques. Il y a un fil conducteur tout le long. Puis je le répète, le refrain, ça passe. J'ai vraiment apprécié la chanson. Good job. Le clip est chill aussi. Et ce qu'on voit reflète avec l'ambiance et les sujets traités. Props pour celle-là, bro. OK, maintenant, avant de vous nommer qui sont, selon moi, les trois participants qui devraient être exclus pour le reste de la compétition à partir d'ici, je veux tout d'abord féliciter l'ensemble des participants pour avoir été sélectionnés dès le départ et un petit bravo supplémentaire à ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la compétition. Les commentaires, les jugements, prenez-en, laissez-en. Le but, c'est d'avoir du fun, vous travaillez ça, vous retournez après ça, vous faites d'autres chansons, vous faites d'autres raps, vous faites d'autres trucs, toujours avec l'intention de vous améliorer puis de livrer la marchandise à chaque fois. Do or die, there is no try. Essayez de voir les choses de même, mais toujours avec le sourire, ça va bien aller. Juste avant, je veux vous inviter aussi à aller like la page Facebook de Rap Québec. Continuez à nous écouter. Je sais que vous êtes fidèles à tous les jours de la semaine. www.969fm.ca. Ça, c'est le site internet de CJMD. D'ailleurs, maintenant, si vous êtes un artiste qui désirait avoir de la promotion, vous pouvez communiquer avec l'équipe. On a un forfait pour ça. N'hésitez pas à devenir membre aussi de la radio CJMD. On a besoin d'une démonstration de support majeur. Donc, si tu as l'occasion d'aller inviter tes amis à écouter l'émission Rap Québec parce que tu sais qu'ils écoutent du rap et qu'ils nous connaissent pas, partage le truc. On est sur Instagram également. C'est Big M qui va terminer le reste de la saison Rap Québec. Je ne serai qu'un intervenant pour les semaines à venir. Et on se retrouvera cet automne. C'est comme ça que je conclue la vidéo. Je m'embarquerai pas dans les détails, mais sincèrement, j'espère que vous serez là peut-être l'automne prochain, si j'y suis, ce qui devrait être le cas. Puis maintenant, pour ce qui est des participants qui, selon moi, devraient être exclus à partir de ce round-ci, on parle de Nada, on parle de XIM et on parle de Oliver Twist. Sans rancune, les boys, vous avez bien fait jusqu'ici et félicitations pour les autres. Rap Academy, salut! Skies, mission accomplie. Je veux faire des gros props, encore une fois, à l'équipe de Rap Québec. Big M, prends soin de mon bébé. T'es une machine, man, puis j'ai confiance en toi. On s'en va au CRTQ cet automne, puis après ça, on pète tout quand tu vas sortir de là. Nourson, la qualité des samples, tout ce que t'apportes à l'émission, je l'apprécie. C'est lui qui est responsable des marchandises Rap Québec. Tu veux un t-shirt, un hoodie, une casquette, tu communiques avec Nourson. C'est Cédric Quentin sur Facebook ou t'envoies un message sur la page de Rap Québec. Et t'auras l'occasion de mettre la main sur ce que tu veux obtenir avec les logos puis les couleurs de Rap Québec.